histoire, de quelle mémoire, comment l'archiver, pourquoi l'archiver, à qui l'attribuer, quelle relation on peut avoir avec le monde institutionnel et le monde de la recherche, mais comment aussi inscrire les actions sur lesquelles on peut travailler, qui rentrent dans le domaine de l'histoire et de la mémoire, sur l'actualité des gens, parce qu'on ne peut pas travailler sur des personnes et surtout les difficultés dans lesquelles aujourd'hui on se trouve pour travailler sur le lien social, sur l'interculturel et tout ça, à seulement s'inscrire dans l'avenir alors que le présent, quand même, c'est-à-dire nous interpelle presque tous les jours, on est attention, attention. Travailler sur le mémoire de l'immigration signifiait travailler à la fois sur le domaine public et sur le domaine privé. Le plus compliqué est toujours le domaine privé, puisque la mémoire même de l'immigration est principalement détenue par les immigrés eux-mêmes ou les descendants d'immigrés eux-mêmes. Entrer dans ce domaine-là, c'est entrer dans la sphère privée. Pour y entrer, on n'y entre pas avec les outils habituels de la puissance publique. On y entre principalement avec le tissu associatif, qui est le seul à avoir la capillarité, la présence auprès des populations elles-mêmes, pour pouvoir faire ce travail d'enquête, ce travail de recensement, et pour établir la base même du climat de confiance qui permet de faire que l'archive privée va exister, va être traitée et va venir à la connaissance. Je me suis intéressé pendant 4 années à l'histoire des footballeurs professionnels algériens en France, en gros de la période des années 50 aux années 2000. Donc mon enquête prend en compte à la fois la période coloniale et la période post-coloniale après l'indépendance de l'Algérie en 62. Alors que l'histoire se construit, la mémoire surgit. Alors que l'histoire veut être un discours objectif, la mémoire, le souvenir revit avec une charge affective inévitable. Alors que l'histoire s'appuie sur le registre froid et serein de la raison, la mémoire s'appuie sur le registre plus chaud et tumultueux des émotions. Contrairement à ce qu'on écrit souvent, l'histoire n'est pas une mémoire. Il ne s'agit plus de revivre, mais de comprendre. J'ai du mal à entendre un discours qui fait le balancier entre d'un côté une mémoire qui serait sélective, partielle, partielle, etc., une histoire qui serait objective, etc. L'histoire n'est pas objective, elle est le fait de gens qui s'inscrivent dans un contexte de domination, etc., etc., qui fait qu'à un moment donné, il y a des visions du monde qui s'expriment, des idéologies qui s'expriment à travers les mémoires, bien évidemment, mais à travers l'histoire aussi, bien évidemment. Donc au-delà de l'histoire, c'est aussi le point de vue critique qu'il nous faut. Le réseau Femmes Inter Association s'est créé au début des années 80, justement, peut-être pour construire une histoire différente que celle des associations communautaires, puisque nous sommes toutes retrouvées, toutes mélangées, venues d'ici et d'ailleurs. Ça fait déjà 2 ans que le film a été fait, histoire de montrer, alors je ne sais pas si c'est l'histoire vivante, la mémoire vivante, mais c'est celle du présent et de l'avenir qu'on construit ensemble. Il n'oublie pas de... Et moi, tu m'as vu où? Tu m'as pas vu. Et tu m'as donné les sous? Il a donné l'argent. Et moi, tu m'as oublié. Voilà. Au démarrage, on n'avait pas vraiment les moyens de payer un loyer parce qu'on venait de démarrer tout ça. Au niveau de la création, tout ça, on sait créer, on sait faire certaines choses qui sont vraiment formidables. Mais il y a les dossiers à suivre, à envoyer, tout ça. C'est des documents très, très, très lourds. Oui. On connaît de ce côté-ci, mais de l'autre côté, on était un peu à la rame. Effectivement, à toute période, en regardant les archives, hein, donc on a l'impression qu'effectivement, à toute période, l'immigré, ce l'immigré pèse le soupçon. Voilà. Parce qu'on met en action des forces qui ne sont pas donc celles qu'on attend. Hein, donc effectivement, l'immigré, quand il arrive, a besoin d'être accueilli, entouré, et alors que là, il est plutôt... Donc, disons, suivi à la trace par les pouvoirs publics, policiers, donc
souvent. Je pense que la responsabilité des médias dans la télévision a joué un rôle très, très important dans la l'intox et l'image négative que véhicule vraiment l'immigration. Donc je pense que, avec toutes les dénonciations possibles qui ont été faites par beaucoup d'intellectuels, je pense que le message, la manipulation télévisuelle surtout, a vraiment est très difficile à éradiquer. Je crois qu'on peut remonter plus loin. Au XVIIIe siècle déjà, il y a ce qu'on appelait dans les différents ports, comme Nantes, Bordeaux, La Rochelle et Le Havre, il y avait les dépôts des Noirs. Il y avait une obligation lorsque un navire revenait des Antilles avec, avec des Noirs, parce qu'il revenait aussi avec des Noirs qui servaient comme des esclaves, comme des domestiques dans certaines maisons bourgeoises, il y avait une obligation à les déclarer déjà au port. Il y a les dépôts, les dépôts de Noirs qui existent. Donc il y a une antériorité, hein. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Moi, le témoignage que j'aurais à faire, c'est sur le lien, effectivement, entre l'immigration, la colonisation et une antériorité qui me semble essentielle, qui est la question de la traite des Noirs. Mais je crois qu'il faut, il faut effectivement remonter plus loin. Et ce serait intéressant, effectivement, que les pouvoirs publics, avec le travail que tu fais, puissent aussi soutenir des projets qui tentent de faire cette filiation-là. Cette mémoire doit aller au-delà des frontières. Parce qu'elle a une dimension à la fois transnationale et il ne faut pas cantonner cette histoire ou cette mémoire uniquement dans les pays où les gens se sont sédentarisés. Parce que l'histoire de l'immigration est une histoire d'errance.